On va passer 24 heures sans nouvelle technologie. Aucun téléphone, ordinateur, tablette, ni même de GPS. Oh, le hasard de dingue! On a pris un Airbnb en plein milieu de la campagne, on s'est baladé et diverti comme on a pu. Mais c'est pas moi qui ai choisi la carte! On est même parti en urbex dans un manoir abandonné où il s'est passé tout un tas de choses étranges. Eh, pas mal l'intro en vrai, non? Ouais, pas mal. C'est le moment d'éteindre, j'ai envoyé un message au daron et je fais une petite story pour ne faire paniquer personne. Eh, j'ai prévu des super activités pour soirée. Il se passe quoi là? J'avais pas vu, il y a les clés. Alex, faut que tu me dises maintenant si tu mets ton téléphone parce qu'après, une fois que c'est fermé, hop, les clés c'est dans la poche. Oh, il m'a... Oh putain, attends, viens, on les... Attends, mais tu sais que si on les... on les laisse là, les clés. Merde, où quand même? Bon, ça va être un peu bon. C'est un peu tassé quoi. C'est pas très rassurant le bruit que ça fait. Ouais, ça qui tient la clé? Dans le casque. Dans le casque Daft Punk. Le casque de légende. Qu'est-ce que j'ai acheté là? Un énorme compteur. Je me suis fait douille sur Amazon. Je croyais vraiment qu'il faisait cette taille là. Pas du tout. Ouais, au moins il tire dans la poche. Et tu veux pas le scratch sur la boîte? Est-ce qu'on aurait pu faire ça ce matin quand on avait tout le temps? Ouah, 2 heures, est-ce que c'était le temps? J'étais en train de chercher mon téléphone dans ma poche. C'est parti, mon petit pote. Et puis reviens, on va au cinéma comme ça, déjà on passe une heure. Putain, mais oui, dans les nouvelles technologies, le cinéma ça date le cinéma? Ouais, ça date. Ouais, je pense qu'il y a un coup à jouer. Bien sûr, du fait qu'on ne peut pas utiliser le GPS qu'on compta dans les nouvelles technologies, je vais regarder là où il y a le Airbnb, parce que oui, on tente un Airbnb ce soir, Alex. Pourquoi tu regardes les gens comme ça? Pourquoi tu dévisages? T'as fait quelque chose, cette dame? Ouais, elle est passée dans le plan. Du coup, on va aller chercher une petite carte de France pour voir où se situe le Airbnb. La propriétaire du Airbnb m'a dit très compliqué à trouver avec GPS. Je crois qu'elle a pas vu les deux loustiques là. qui une fois verra la. Moi, je voulais trouver un truc sans pas dire, mais j'ai pas. Ouais, j'ai pas. On l'a notre carte de Bretagne. Avec ça, normalement, on arrive à destination sans problème. On commence à regarder sur le capot ou c'est du divertissement? Quoique, un petit lecteur CD serait pas de refus. Vache. Argoug ou Argouge. Je sais pas comment on prononce. Direction Fougère, je pense. Ouais. Et après, c'est direction Saint-James. Direction Fougère, et quand il y a des panneaux Saint-James, en gros, on prend par direction par Saint-James, je sais pas. Je sais pas parler aussi, je sais pas articuler. À 20 000 pouces bleus, je prends un cours avec un orthophoniste. Combien de pouces bleus? 20 000. Même, c'est énorme. Même ça, je l'avais pas. C'est énorme. Ah, tu sais pas? T'es beau. Ah ouais? C'était juste pour la vanne ou? Non. Ah, merci. Bon. On fait quoi avec ça, moi? Bon, j'ai de là. Ah, ok. Allez, la team! Putain, j'ai un coup. J'ai un canif là. Tu veux quelqu'un ou quoi? Oh, Saint-James. Oh, tradition textile. Et du coup, ce serait pas l'alcool. Oh, c'est quoi ça? Bien-être et beauté. 22 euros. Tu sais que c'est ma box que je dois renvoyer depuis un an. Par contre, j'ai encore fait le. Il est beau l'arbre hein. Donc là c'est ça la vidéo là. Il est beau l'arbre, il est beau le château. Mets-toi sur le bord pour faire un plan Dark Sasuke. T'as l'air tout petit à côté du gros arbre. Tu l'as? Tricot Saint-James, bah, c'est, oh c'est là l'usine. Attends, mais il y a un magasin. Ah, Saint-James, mais oui c'est ça, c'est les vêtements. En fait c'est breton gros. Normandie, on a ah, Normandie non, là. On a Normandie là. J'ai pas vu mon contour en Normandie, je savais même pas. C'est pareil, c'est un peu équivalent à un petit bateau Alex. Ouais, je vais peut-être passer devant. Et qu'on ait une image de l'usine. Oui. Et puis de L. Ça doit être tout flou. Ah ouais? Vu que t'es devant. Ah ouais? Ah ça prend le... Oh putain. Il y a une télé. Tu peux dire ce que tu pensais de ça? Je croyais que c'était des caméras. Après je me suis dit, pourquoi des caméras? Vas-y, fais du coloriage. Du pullage. J'ai pas débordé hein. Petite mairie. C'est l'église ça je crois Alex. T'as une preuve? Ah non mais Là, le Mont Saint-Michel. Ici, Saint-James. Ici, Argoug. Ça s'appelle. Ou Argouge. Attends, je peux faire le move du pied? Pas mal ça non? La communauté apprécie. Oh, moins de bruit peut-être non? Bon bah allez. On va tout droit. Ouh. Oh le gros lapin frère. Je crois que c'est un cheval. Un cheval? C'est là-haut la Tiny House? Oui. On va p***er là-dedans. Eh mignon, mignon non? Attends mais je vois qu'un lit. Dommage. Dommage mon pote. On avait acheté un petit bouquin. On a déjà un magazine. Est-ce que t'avais remarqué que ça faisait le Mont Saint-Michel? Tout ce truc ici ta place gros. Je dors là moi. Mais tu dors là gros. Bah gros, je vais pas dormir avec toi là-dedans, je te dis direct. Mais j'ai pas que tu me tapotes les fesses. Après, télé, on peut seulement l'utiliser s'il y a un lecteur DVD. Y'a pas de lecteur. Chien. Ils sont énormes les chiens ici hein. Je crois que c'est des chèvres. Quoi? Des chèvres. Allez, bon.
Il va me casser la gueule ou quoi? Je comprends pas. Là. Au début, je crois qu'il y avait une certaine amitié entre nous. Je sais pas, j'essaye de parler. On n'a pas du tout de buzz. Après, perso, nous, on est humains. Ah, il se barre. Chasse gardée. Attention, ce mec n'est pas célib. Ça va, petit? Cherche-moi pas comme ça, parce que moi, je vais... Je sais pas qui je suis. Ça va, mon pote? Ok. Oh. Il va me rouler une pelle. Oh, c'est Mathis. Oh, Mathis. Bah les gars, on a trouvé deux potes pour ce soir. T'as vu comment ils bougent leur petit queue? Mais oui, ils sont super rapides. Non, pas bon suite. Oh non, t-shirt blanc gros. Oh non. Ouais. On se casse gros. Wesh. Attends, mais ils ont pété un câble. Là, ils veulent... Regardez ce qu'on sait faire. Wesh, il y a une bagarre de... Mais il se passe quoi? Hello world, this is me. Il vient nous voir en mode, regarde ce que je sais faire mon pote. Hey, t'as vu ou pas? À seulement 20 minutes du Mont-Saint-Michel, on ne pouvait pas passer à côté. Et surtout, ça prend du temps en vrai. J'ai envie de voir combien de temps il reste. Mec, c'est pas possible. C'est trop long, frère. J'ai cru dans Assassin's Creed, ça te chien. Mec, c'est vrai que t'as un mood Assassin's Creed en vrai. Ça, c'est les TikTok, hop, vertical, musique triste, avec des petites phrases au-dessus, genre l'amour, qu'est-ce que c'est au final. C'est pas trop. Pour ce soir. On disait toi aussi, tes parents, allez hop, une claque sur le cul au lit. Non. Oh, ouais. Est-ce qu'on dit ça à vous? On dit ça? Comme ton médecin qui touchait le tréquin. Votre médecin, vous avez jamais mis le petit gant et tout? Non, jamais. 185 balles l'épée. Ça va, non? Pour couper la pizza ce soir. Tu pètes la table. Tu casses tout. C'est pas mal en vrai. Oh non, non. Je trouve, elle regarde un peu mal. Lance un caillou, vas-y. J'ai pas de caillou. Putain, y'a jamais de caillou comme ça. Ah, c'est vrai, ça. Son père. On verra tout ça maman. Oh, presque une heure, hein. Ouais, il nous reste encore un bon 19h, quoi. 5h, c'est énorme, hein. Ah ouais? Il reste encore pratiquement 19h, hein. Bah mon lit, c'est quoi, c'est une couette ça? Oh, c'est quoi ces demi-couettes là? Ah non, c'est une vraie couette en fait, c'est une grande... Okay. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça c'est du Schweppes à gomme. Tu peux lui présenter ton petit lit douillet? Je te montre ça mon pote. Ah putain, ah, j'ai pas envie de monter du coup moi. Pourquoi? Non, laisse-moi, vas-y. Deux petits oreillers, j'ai viré le plaid de con là. Pourquoi le four est allumé là? C'est des pizzas. Mais t'es bourré ou quoi? Je suis rebou. En fait, je crois que c'est la mi-fatigue, mi-charge mentale de youtubeur, tu vois. Et après, ça va être l'urbex. Oh. Ah, tiens, mon pote. À la vida. Mec, c'est douce de fruits. Fais voir la mangue. J'en prends déjà plein les narines. Faut pas que tu regardes, Fab. Est-ce que t'as déjà tourné avec lui ou elle? Non. Est-ce que la personne est brun ou brune? Brun. Streamer, streameuse, youtubeur, youtubeuse. Plus youtubeuse. Plus youtubeuse, du coup, c'est une fille. Est-ce que la personne fait du gaming? Non. Elle est pas mal, la question. En gros, j'étale tout le monde. Il ou elle a un collier. Est-ce que la personne porte un t-shirt? Un t-shirt? Un t-shirt. Est-ce que c'est Romy? Oui, je pense que t'as gagné et machin. Ouais, c'est Romy. Est-ce que c'est Fidi? Oui. Putain, ça a bien marché en vrai, hein. Super. C'est un homme? C'est un créateur de contenu? Oui. Avant, il faisait des podcasts. Squeezie? Oui. Oh! Il est dans une salle. Il peut faire ça dans une salle, oui. Ah, c'est une action? Oui. C'est une action qu'on fait au quotidien? Pour certains, oui. Squeezie Sébastien? C'est ça? Pourquoi tu penses à ça direct? C'est pas gros. Trop bizarre. On va aller pénétrer dans le domaine impénétrable. Je sais plus quoi, quel domaine qui a été racheté par je sais plus quel étranger. Le vidéo, genre deux télés. Il y a deux télés avec sa petite CE. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un urbex. On va faire un urbex, on a que ça à foutre. Là, ça fait déjà un peu badé. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. On aurait peut-être dû vérifier avant. On sait même pas où c'est deux jours. Deux jours, on sait pas y aller, on veut y aller de nuit. L'urbex, il pue sa mère. L'urbex, c'est plus claqué du monde. C'est un petit manoir, on fait un œuf. Prends le K2 quand même pour voir s'il y a pas des esprits. On s'excuse par rapport à toute la communauté. Je pense qu'il doit y avoir. Oh, ma light à 70€. Oh, ça fait peur un peu. On dit, on cherche le gîte.
Au fantôme? Oui. Bonjour, on cherche le gîte. Mais non, s'il y a quelqu'un dedans. Bonjour, on cherche le gîte. Lui d'où on vient? Oui, mais on dit qu'on a fait une petite soirée, on est un peu alcoolisé. Oh, j'ai peur. Mais là c'est refait, non? Ah non, c'est pas refait. Oh, il y a des toiles d'araignée de fou, mec, ça fait trop peur. C'est fermé, ça m'arrange bien. Il y a une troisième. T'as vu? Oui. Ils abusent aussi. Si, si, on y va. Allez, on a jamais vu ça de Fab, vie. On y va. Ouais, c'est des trucs en fait un peu récents quand même. Je pense que c'est genre années 60 peut-être. Ouais, je dirais. Genre 50, 60. Oh. Fab, j'ai peur. T'as peur? Non, ça va. Oh, ça fait pas des quand même. Oh, l'ambiance de baiser. Oh, mec, on est en full way. Oh, la cheminée. Oh. Attends, t'as rien. Moi, je suis une grosse salope si j'y vais, ok. On y va. Si jamais tu veux me rencontrer ma vie, je suis une grosse salope. Là, on y va. J'y vais. J'y vais. On y va. Ok. Il fait trop peur, sûr. Oh. Je me chie dessus, frère. Je me chie dessus. Oh, t'as mal à la tête, la fenêtre, quoi. T'as pété, gros. Oui. Ah, ça se sent de fou. Ah, ça se sent de fou. Mais non, gros, non, je monte pas. Pourquoi? Mais regarde l'état d'escalier. Mais si c'est solide. Mais non. Allez, tente-le. Le truc de pisse. Après, on va plus haut. Tu veux passer une mauvaise nuit, quoi? Pourquoi je vais aller plus haut? Je mets de salope, là. Y'a quoi? Ouais, j'assume. Ah, ça met mal à l'aise. Ouais, les salles de bain, ça met mal à l'aise un peu. Je me dis, des gens vraiment, ils ont posé leur pêche là. Mais attends, mais pourquoi les fermer celle-là? Je sais pas. Oh, j'ai pas envie d'ouvrir d'un coucou. Si, si, vas-y, vas-y. Allez, ferme la clé. Ça se trouve, y'a quelqu'un qui tourne derrière. Là, c'est genre une chambre. Oh putain, ça tue ça. Là, c'était genre chambre et dressing, tu vois. Pour faire un plan de coupe. Ah, t'es dans la tour là. Ouais, c'est magnifique. Oh, c'est banger. Bah, t'es vu dans la tour, c'est trop stylé. Hein. Attends. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui marchait. On descend. Putain, mais attends, mais il y a l'autre truc à moi donner à regarder dedans. Ouais, bah là, c'est déjà bonne aventure. Ouais, je pense, c'est très bien pour la communauté. Ils sont très contents. Bon, je te dis qu'on va jamais dormir, on va jamais dormir. On aurait dû boire les bières après. Le Schweppes. On aurait dû boire le Schweppes après. T'as une vidéo entière, ça fait 16 minutes. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes sur la chaîne principale ou sur la chaîne secondaire. Il y aura les rushs complets sur la chaîne secondaire. On avait ouvert comme ça. On a jamais ouvert comme ça. On a refermé. Oui, c'était fermé. J'ai fermé. Attends. On est là-bas. On est parti, la team. On vous veut rien de mal. C'est très très séduisant chez vous. Passez une excellente fin de soirée. Bouscavide. Là, c'est bon, je pense. En plus, ils ont la rêve d'Amixem, ils sont contents. Ah, c'est toi qui bouge pas. Oh, c'est une porcherie. Ah, tu vois, il y a un chevaux. Là, on va essayer d'aller, de rentrer et d'aller dormir. Petit magazine quand même. Ouais, je pense que je vais prendre un magazine. Attends, lequel magazine? Bah, le fun. Pour la vidéo. Qu'on a acheté ou oui, qu'il y avait déjà acheté. Ok, bon, on va récupérer le magazine. Good morning, la Fabio family. Pour m'endormir, j'ai juste regardé un plan qu'on avait fait dans la journée. Ça m'a endormi. En fait, j'arrive pas à dormir quand il n'y a pas de bruit. Donc, je sais pas si on va pouvoir bien voir le temps. Il fait beau, il fait super beau. Oh, quel... C'est dingue de se chier dessus comme ça. Oh, vache. J'aime bien. Regardons sur le chrono. Combien de temps il nous reste? Et pas Chronos, hein, le... C'est qui Chronos? Oh, il fait plaisir celui-là. Oh, il fait plaisir de fou, gros. En vrai, la nuit, il y a ça qui arrive. Ouais, parce que... il y a 8 heures. Ouais, non, le matin ça va, moi, c'était plus le soir. Hein. Toi, c'est le matin où t'étais en mode. Et j'avoue que c'est un petit check de téléphone pour regarder les infos du jour avec Hugo Décrypte. Ça me manque. Hugo, tu nous manques. Il y a du matcha ou quoi? Non. Parce que moi, depuis... Ah, si, il y en a plein le. De l'herbe. Faire un de con avec votre goût d'herbe. De moi, merde. Depuis que je me force, ça va. Comment séduire une femme? T'as fait envie là. J'ai pas envie. On est sur la route, les gars, pour retourner au local. Je sais pas, je stresse un peu. Enfin, j'ai pas de. Je sais pas si c'est... j'ai pas mon téléphone de la matinée, enfin le matin, ou si c'est bientôt la fin et que j'ai vite envie que ça se passe, mais j'ai un petit stress. Et ben, y a plus que 2h36 à attendre. Et je crois que ça va être les pires 2h36 que je passe toute ma vie. J'en fais trop, frère, c'est fou quand même. Ouais. Passer 2h36 avec que des gens qui sont sur les ordinateurs et tout, sur leur téléphone. Petite partie de ping-pong, guys. Allez. Wesh. Oh, salopard.
Je sais pas trop. Elle était un peu timide là. Bah, c'est bientôt fini là. C'est bientôt fini les gars, il ne reste plus que 4 minutes. On a été chercher à manger, on a fait 2-3 trucs, du coup ça passe bien. Vous savez qu'on avait mis la clé Roro pour pas tricher. Tout le casque. La clé qu'on avait cachée. Et mais le mec le nom. Oh, oh. Oh il sonne. Ah il sonne le petit fils de. Enfin la petite boîte. Oh mais il était allumé mon téléphone. Oh une notif. Message du Airbnb, j'espère que vous êtes arrivé dans votre logement. Pour vous résumer tout ça, on a quand même passé un bon moment. C'est vrai qu'avec nos métiers, on a les yeux sur le téléphone un bon pourcentage de la journée. Et de décrocher une journée complète, ça fait quand même du bien. Je vous invite carrément à le faire avec vos potes ou vos proches. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, c'est le plus gros soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Bisous les amis.